the collaboration between Armin Strom and the CSCM was very clear for me from the beginning. When we started to think about resonance, it was obvious for me to approach the CSCM. I knew what they have done in the past, what they have achieved with the silicon technology, with developing other flexible suspension in the watch industry or in the aerospace industry. We as watchmakers, we are strong in building and taking brass, taking steel, making bridges, main plates, wheels, and calculate our gear train. But flexible suspension systems was something very new for us. And to have a team which is such close to Armin Strom, and a team which has a huge experience in the watch industry, was the perfect partner for us. Le rôle du CSCM dans cette collaboration, c'était d'optimiser le ressort de couplage qui avait été préconçu par Armin Strom. En l'occurrence, on devait diminuer le temps de synchronisation et améliorer la stabilité de la synchronisation. Pour mener à bien ce travail d'optimisation, le CSCM s'est basé sur différentes compétences. D'une part, comme c'était un élément flexible, on s'est servi des compétences du CSCM dans ce domaine. Puis l'autre expertise, c'est aussi l'expertise dans l'horlogerie. Donc il fallait comprendre les besoins du client en horlogerie. Alors, il y a encore un troisième domaine, qui est le domaine de la microstructuration d'éléments mécaniques très fins dans du silicium, dans des wafers de silicium. Dans l'occurrence, à la fin du projet, on a eu deux conceptions du ressort optimisé, l'une en acier, l'autre en silicium. Puis finalement, on s'est rendu compte que les performances de la solution en acier étaient suffisantes. Le besoin d'optimisation du ressort de couplage a été identifié par Armin Strom suite à tout un processus d'optimisation expérimentale qu'ils ont mené chez eux. La solution la plus logique, c'était de s'adresser à quelqu'un qui pouvait les aider à faire une modélisation de façon à pouvoir faire des itérations, mais non pas sur quelque chose de physique, mais sur quelque chose plutôt d'informatique. Un des défis, c'est le ressort de couplage qu'on cherche à optimiser, qui est d'une forme très complexe. Il a différentes parties flexibles, il n'a pas une forme toute bête comme on fait d'habitude. Donc il fallait trouver une modélisation pas trop simple, parce qu'il fallait quand même que ce soit représentatif de la réalité, mais pas non plus trop complexe, parce qu'après on devait faire un modèle dynamique, donc un modèle qui devait tourner dans le temps et puis qui devait tourner assez rapidement pour pouvoir faire différentes itérations pour optimiser les choses. Puis le deuxième point, c'était la modélisation dynamique de ce système qui fait intervenir donc deux oscillateurs et le ressort qui les couple. C'est pas quelque chose qui est tout à fait classique pour un ingénieur. Il y avait après la nécessité de caler ce modèle avec la réalité. La première phase expérimentale, ça a été de caractériser les performances du système avec le ressort de couplage initial. La deuxième phase, qui a suivi la phase d'optimisation et de production des ressorts de couplage optimisés, qui a été menée par Armin Strom, qui a donc caractérisé les performances du système avec le ressort de couplage optimisé. The improved resonance clutch spring was a game changer for Armin Strom. When we finalized the research and the development with the CSCM, we had the best ever performing resonance wristwatch built in the world. We could guarantee the fastest synchronization, we could guarantee the most stable resonance effect ever happened in a wristwatch. The market feedback was amazing when we launched the watch in 2016. There were just a few other brands mastering resonance, but the fact that our performance was so much better, the feedback was just amazing. In Armin Strom, we are very known for reinventing watchmaking. We really want to improve the mechanical watch. We have more ideas, and there is still a good exchange between us and the CSCM. And as soon as we see a potential to collaborate, we will be more than happy to collaborate one more time with the CSCM. C'était un projet relativement complexe à mener, donc c'était intéressant pour nous d'être un petit peu poussé dans le retranchement et de devoir optimiser un élément ressort avec une forme relativement complexe. C'est des choses qu'on n'est pas souvent amené à faire. I can say one more time thank you to the CSCM, thank you to the whole team who supported Armin Strom. The resonance was a game changer for the company. It is a solution to a very old problem in the watch industry, and it was thanks to the partnership, thanks to the motivation which was also from the CSCM, we could really develop an amazing complication which today is a big success for Armin Strom.